Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Motocross Maniacs sur la Nintendo Game Boy, qui est la première du nom, sortie en 91 et édité par Konami. Donc c'est un jeu de motocross, hein, comme son nom l'indique, où on va pouvoir jouer contre nous-mêmes ou contre une IA, et même à deux, avec un câble Link, si je me souviens bien. Et c'est tout, tout simplement. Donc un jeu dans la simplicité, vous allez voir. Donc on va tenter le mode solo. Oui, Yann. Voilà. Donc on a 8 courses différentes. On a 3 niveaux de difficulté, donc A, B ou C. Je propose de commencer la première course. Je vais expliquer un petit peu avant déjà ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Comme ça permettra d'être moins brouillon dans la présentation une fois qu'on va rouler parce que c'est assez rapide. Donc on va avoir une jauge de nitro, on va avoir des boosts, et ces boosts vont nous permettre, quand on les utilise au bon moment, d'aller d'un seul coup très vite et de franchir les obstacles. Si on ne fait qu'avancer, en fait, on va s'embourber à chaque fois dans les décors parce que ben, on n'a pas assez de vitesse. Et vous allez voir que le jeu est assez fun parce que eh ben, il faut avoir un timing assez serré pour pouvoir bien passer les niveaux et faire le temps le plus rapide possible, en sachant qu'on a un temps à faire pour être qualifié à la seconde course, etc. Donc on va lancer la première course. On va prendre le niveau A. Ouais, j'ai 2 minutes 2 et le temps de qualification c'est 2 minutes. Donc c'est parti. Oui, je peux me pencher vers l'avant ou vers l'arrière aussi hein, pour diriger un peu ma moto. Voilà. Là je vais utiliser la nitro à chaque fois. Les trick N qu'on a, hein, c'est pas le logo de Netscape pour les anciens. C'est vraiment la partie nitro. Et je me suis demandé. Et là encore aussi. Voilà. Alors je peux orienter voilà, un peu la moto vers l'avant ou l'arrière pour bien retomber. Ça c'est aussi quelque chose à gérer. Et je peux évidemment appuyer sur le nitro comme un taré si je veux aller beaucoup plus vite. Et là je me suis totalement raté. C'est plus possible. Hop. On récupère la nitro. Là on passe. Hop, là aussi. Là on passe. On va passer par un petit looping. C'est un petit peu le Sonic de la moto. Voilà, on a passé un checkpoint. Alors je suis censé le faire en 1 minute 20, honnêtement. Là je suis en 40 secondes. C'est assez lent. Je récupère la nitro. Hop. À nouveau. Et il faut évidemment que je récupère à chaque fois les points de nitro parce que sinon après j'en aurai plus. Et du coup passer les obstacles, je vais être à chaque fois bloqué. Hop, on a récupéré un peu de nitro. À chaque fois que j'appuie sur la nitro, bah bien sûr. Aïe. Bien sûr, ça me fait perdre bah, une jauge. J'ai réussi à récupérer le T, je sais plus ce que c'est. Je crois que le T c'est pour les pneus. Alors j'ai pas trop compris à quoi ça servait par contre le T. Voilà, on passe par là, on passe par la montée. Et le goal il est ici. Et on a fini. Alors je pense qu'on est au-dessus d'une minute 20. On est en 1:25. Donc j'ai un nouveau record par contre. Il me dit que je suis qualifié. Il me semblait que le temps à faire c'était beaucoup plus haut, plus bas. Je crois que c'était une 20. Et du coup, c'est un nouveau. Course 2A. Donc on a 1:56 et il va falloir faire un autre temps pour se qualifier. C'est parti, la deuxième course. Enfin, le deuxième parcours. Je vais tout droit. Hop, on va passer par là. Allez, on saute, on passe par le petit. Hop, ici pour récupérer le S. Alors je sais pas ce que c'est. Des items, je ne connais pas. Autant le N, j'ai compris que c'est la nitro. R c'était pour les gommes pour aller un peu plus vite. On peut passer par là. Regardez, hop, on saute. Et on passe de l'autre côté. Donc circuit un peu plus technique. Là on peut aller sur le R. Hop. Par contre j'ai raté mon deuxième boost. Et du coup là bah, je suis un peu bloqué. J'ai plus de nitro. Hein. J'ai plus rien. Donc là je suis tout droit. Malheureusement je suis un petit peu. Et j'ai pris la. Comment on fait? Ah, faut que je lève un petit peu. Oh là là, c'est pas évident. En fait, faut que je lève la moto. J'arrive pas. J'arrive pas à la prendre. Au secours! Ah oui, je suis bête, c'est avant-arrière. Et oui, c'est pas haut-bas, c'est avant. C'est avant ou arrière. Pour incurver la moto, donc évidemment. Par contre, là, comment je vais passer? Je vais pas pouvoir passer, en fait. C'est bon. Non, je vais pas réussir. Donc en fait, je pense qu'il faudrait que je fasse... Alors, game over là. Je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je peux aller en arrière? Je crois pas. Non.
Si je mets carrément dans l'autre sens, ça passe pas. Alors là, je vais te bloquer. Là, je pense que c'est le game over. Je sais pas du tout comment faire pour revenir en arrière, par contre, dans le jeu. Bon, bah là, c'est la fin, hein. Faut que je fasse quoi? Faut vraiment que je fasse quoi? Je suis bloqué au pire endroit. J'ai pas de nitro. Non, j'ai essayé de pencher vers l'avant, ça marche pas. Vers l'arrière, ça a l'air un peu pareil. Ouais, je reste bloqué au même endroit à chaque fois. Et je peux pas faire de marche arrière, hein. Je vais pas revenir derrière. On va attendre que le temps soit pas arrêté. T'as vu le petit bug d'ailleurs, je me suis retrouvé dans l'air alors que. Normalement je suis censé être sur la piste. Donc j'ai game over, j'ai déjà échoué dans la deuxième partie. On va faire un mode contre l'ordinateur. On va regarder la course 1 et le niveau A. C'est un jeu qui est très très difficile, vous l'avez compris, hein, on n'a même pas réussi le premier. Allez, c'est parti! C'est vrai que j'ai pas de nitro et je me suis trompé de touche en fait, c'est pour ça. Bon, on peut se tromper de touche sur une Game Boy, faut m'expliquer. Trop. Alors, on va faire la course contre lui. Donc, ça, c'est pas mal le fait qu'il y ait quand même une IA contre nous. Voilà, on prend la nitro. Le premier niveau est assez simple, mais c'est vraiment après que ça se complique. Ah, hop, hop, on enchaîne. Ouais, le premier niveau est quand même assez simple. On essaiera notre circuit après. On va essayer peut-être un. On va essayer. On essaiera le circuit 3 ou 4, ou même d'autres, hein, pour voir ce qu'ils ont vraiment de différent. Je vous avoue que par exemple, le fait de devoir incurver sa moto vraiment au bon moment, c'est aussi une difficulté supplémentaire. Et on peut se bloquer dans une loupe infinie, ça c'est dommage. En général, il y a des touches pour un petit peu faire reset la console, c'est ce genre select start en même temps. Voilà. Alors peut-être que c'est toutes les touches en même temps. Je vois si c'est pas ça. Mais là, on a vraiment dû attendre la fin du timer, c'était pas très passionnant. Allez, on va y arriver. Allez, hop, hop, hop. Hop, on grimpe par là. Hop. Donc il reste encore un tour. On a gagné, mais c'était pas beaucoup, hein. Vous avez vu le par rapport à l'IA, on était à. On a fini à 8 centièmes d'avance. C'est quali. Alors j'ai pas trop parlé de la musique. Bon, mais sur Game Boy, hein, faut pas non plus. Pas non plus exagérer. C'est là, il va falloir que je gère bien. Voilà. Passe. Voilà, on est passé par le dessus, ça c'est bien. Là c'est bien. Ah, j'ai plus de nitro. Ah, j'en ai plus. Il m'a fait tomber vers le bas. Du coup, je perds tout le temps. Et je me suis raté parce que j'ai oublié de mettre vers le haut. Voilà. Hop, vers le haut. Et ben là par contre j'aurai un gros problème les gars, parce que je ne sais pas le passer le passage. Non, je ne sais pas le passer. Alors si j'appuie sur toutes les touches en même temps, on va voir ce qui se passe. Il se passe rien du tout. Et ben du coup, regardez, je suis en plus d'être bloqué dans un. Je sais pas. Je sais pas du tout comment passer ce niveau. Vous avez vu? Bon, on voulait que je le passe ce passage. Non, j'en ai aucune idée. Bah, je me suis fait bloquer au même endroit, malheureusement, parce que j'avais plus de nitro. Ce passage, on va pas pouvoir réussir à le passer. Bon, bah, du coup, on va attendre un petit peu que le décompte soit fini. Je vous avoue, j'ai aucune idée comment le passer. Surtout que j'ai pas de touche, hein, à part accélérer, freiner, on est sur le Game Boy, donc il n'y a pas de L1, L2, R1, R2, ou même touche, je sais pas moi, D, E, je sais pas. J'ai quand même réussi à tomber. Non, je sais pas comment faire. Vraiment, vraiment, je sais pas du tout comment le passer. Voilà, time up. Et on se sera fait avoir deux fois de la même manière, c'est dommage. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un mode VS Computer à nouveau. Donc, on va prendre la course 3, bah, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Le temps de qualification 1, j'ai pas vu.
rater. Dommage. Et là j'ai plus de nitro, donc s'il y a un truc, s'il y a un passage où il faut de la nitro, autant vous dire qu'on n'y aura pas. Et ouais, mais du coup ça veut dire que je peux pas prendre la nitro. Comment voulez-vous que j'y arrive là? Faut m'expliquer les gars. Putain, c'est pas possible. Voilà, ça c'est bon. J'ai pas de nitro donc je peux pas avancer. Bah, c'est là où en fait je tourne en rond, parce que regardez, je ne peux jamais prendre d'objets. Donc comme je peux pas prendre d'objets, bah rien quoi. C'est là où vous voyez déjà la limite du jeu, c'est que je ne peux même pas. Bah je peux rien faire en fait. Voilà, j'ai pas de nitro, donc je vais aller jusqu'au bout comme ça. Et finir avec 3 minutes de retard. Ah, peut-être un peu. Non, même pas. Je n'ai même pas pu prendre la nitro. J'ai fait un tour en 1 minute. Et là, je vais rien pouvoir faire. Hein. Vraiment, hein, voilà, je vais rester bloqué en bas jusqu'à la fin. Donc gros défaut, enfin moi je trouve que c'est un gros défaut déjà dans ce jeu, parce que... Et voilà, loop temporel, je peux rien faire, je ne peux même pas prendre un truc. Alors faut peut-être que je m'écrase sur le N en relevant peut-être le guidon, mais... Donc on a game over dès le début, c'est magnifique. On va prendre le niveau 4, on va voir un petit peu ce que ça fait. Je sais que ça va être de plus en plus dur en plus. Quel fin time 12 minutes. 1 minute 12, pardon. Les pneus, c'est de garder le plus de voilà. Boost. Aïe, on a des lettres, hein, comme vous pouvez le voir. C'est bon, là j'en ai une. Alors, attention, est-ce comme, comme je sais pas. Je suis écrasé là. Voilà, je suis un peu bloqué, mais la différence c'est que je vais avoir un boost. Lui aussi d'ailleurs. Le boost ne marche pas quand on est dans... on est embourbé, par contre, j'ai l'impression. Ah, j'aurais dû prendre... J'ai encore 2 boosts. Il m'en restait plus qu'un. Eh ouais, mais je fais comment maintenant? Je fais comment? Regardez, même l'IA est bloquée, quoi. Allez, les gars, on est parti. Non mais là je vais faire ça en boucle pendant 2 heures. Ah ben voilà, il y a le problème, vous avez compris. On s'est encore bloqué, malheureusement. C'est vrai que ça fait rien. Bah, le fait que l'IA n'y arrive pas non plus, vous avez bien compris que ça pose un gros problème. Et honnêtement, il n'y a pas grand chose à réaliser dans le jeu en vrai, hein, en termes de contenu. Mais pour moi ça c'est un gros défaut, et c'est le défaut principal du jeu, c'est que... Bah, voilà, on en est bloqué. Pour rien faire, tout simple. Allez, je vous propose, on va pas rester non plus 30 minutes sur le jeu, parce que vous avez déjà compris, hein, il n'y a pas grand chose à rajouter. On va faire un dernier niveau, on va prendre le niveau 8. Parce que pourquoi pas. Je trouve que ce sera la course la plus dure du monde, ou peut-être pas. Hein. Allez. Là, hop là, hop là. On a pris de la nitro, ça c'est bien. Ah ouais, en fait, j'aurais dû prendre une troc ici. Aïe, 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 je suis tombé. Il me récastre. Putain, comment j'ai fait mon... Mais attendez, comment je fais, là? Mais attendez-moi! Mais putain! Mais putain! Ouais, c'est bon. Oh là là, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible. Allez, non! En fait, il faut se relever tellement... En fait, il y a un léger délai pour se relever. Si on l'utilise pas, on part en arrière. Enfin, si on l'utilise avant, on se prend la pierre. Et si on l'utilise pas, on se retourne. Enfin, soleil arrière, enfin, je sais pas comment dire ça. Pas évident. Oh là là. En plus, pour prendre la nitro... Aïe. Non, c'est pas possible. C'est bon, on a encore récupéré la nitro, ça aurait pu être pire. Alors, il me reste encore de la nitro, mais je vais pas l'utiliser tout de suite. On a fait un tour pour le moment, on a plus de temps. On a fait un tour en 1-6, ce qui est vraiment lamentable. Et ben voilà, là j'ai plus de nitro, donc on va rester bloqué jusqu'à la fin, malheureusement. On a bien compris que le jeu là allait nous mettre... Bactère.
Puis de toute façon, j'ai plus de temps, donc c'est terminé. Bon, ça aurait été une catastrophe. Bon, après, je suis pas mauvais, je suis nul aussi. Hein. Je pense que si on fait du die and retry, si on apprend le niveau par cœur, qu'on s'oublie jamais, on va y arriver, bien sûr. C'est un jeu qui va être ultra punitif. Mais c'est un petit peu dommage parce que bon. Je trouve que le niveau de difficulté est très rapide. C'est-à-dire qu'au premier niveau, bon, ça passe. En vrai, on s'en sort bien. On passe à peine au niveau 2. Ah, c'est chaud, quoi. Enfin bon, vous imaginez qu'il y a 8 niveaux après à faire. Bon, au moins, le jeu, bah, si vous êtes très fort, vous allez pouvoir le finir. Mais à quel prix, quoi. Voilà, je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter. C'était donc Motocross Maniac sur la Game Boy. En espérant que ça vous a plu, mais c'est un petit peu. Redondant un petit peu rapide, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!